C'est parti le sahbé, on est parti pour le premier séjour avec Airbnb. On part en Normandie. Donc je vous donnerai mon ressenti. Kapaï, il a été sage pendant tout le trajet. C'est un truc de fou. Il n'a jamais été aussi sage. Ma Kapaï. C'est parti. Première pause. Après je vais me taper 100 km. Je vais devoir conduire. Ce sera le plus long trajet de ma carrière. Retenez bien ça. Mich Mich, Kapaï. Ils sont morts dans le game. Elle est trop mignonne, monsieur, adoré avec son papa. Voilà, je vous fais un tour du propriétaire vite fait. Franchement, c'est sympa comme tout. Alors, petit tour de propriétaire parce qu'on n'a pas eu de mauvaise surprise et c'est vraiment sympa comme tout. Là, vous avez la vue du port, de la fenêtre en fait. Et la mer, elle est là-bas. Bon, c'est une plage à galets, il fait pas forcément beau, mais on s'en bat la race. Parce que ça fait 10 piges que j'avais pas vu la mer, tu vois ce que je veux dire ou pas. Enfin, franchement, c'est hyper mignon. C'est vraiment un beau coin. C'est vachement apaisant. Et les propriétaires sont très très gentils, vraiment. Très très mignon. Et les maisons qui sont là-bas, c'est magnifique, on dirait une carte postale. Ces petits villages, c'est trop mignon. C'est comme si on était à côté d'eux. Un truc de ouf. Merci Canon. Si vous pouvez me sponsoriser, ça serait pas mal. Donc, franchement, c'est une ville, lui, c'est pas des sepins quoi. Il y a les hottes, il y avait le placard qui est rempli, même si on va pas toucher. Il y a les assiettes. Tac, tac. Là, il y a un grille-pain, une balance de cuisine. J'ai une tête dans le retour, c'est quelque chose. Là, il y a une bouilloire, cafetière et des petits verres avec des cuillères. Voilà. Franchement, propre. Tac, tac. Ils ont laissé du liquide vaisselle, c'est sympa. Bon, on a racheté des éponges. Il y a un guide touristique qui est là, c'est sympa. Petit frigo. Petit bar bien sympathique. On n'a pas le droit aux bougies, mais voilà quoi. On va rendre l'appartement propre qui sent. Et cette bougie là, je l'ai acheté à Carrefour Market, c'est la vanille, c'est une tuerie. 2 euros quelques, mais c'est une tuerie. Et ça là, ça sent trop bon. Un truc de fou. C'est un petit studio en fait pour deux personnes. Et c'est mignon comme tout. Il y a la télé. C'est bien lumineux. Ici, il y a un petit canapé. La petite table, télé, voilà, simple mais efficace. Mon amoureux, il n'est pas fourni avec, je suis désolé. Et là, nous avons la salle de bain. Donc là, on a ma sale gueule, je suis mort dans le film. Là, voilà, petite salle de bain, petite baignoire. Nickel. Le coin toilette avec l'aspirateur, le balai. Franchement, c'est mignon comme tout. C'est vraiment mignon. Je vous mettrai une réduction en barre d'infos Airbnb parce que moi j'y connaissais rien. C'est notre premier séjour. Et je peux, d'après ce que j'ai compris, il y a une réduction pour ceux qui passent par mon lien pour faire une location. Bref, on va apprécier le paysage. On va se reposer un petit peu après on ressortir. Elle est fille, cette bougie, c'est de la marque Carrefour. C'est une dinguerie de ouf. Franchement, sentez-la. C'est une dinguerie. Et le truc... Ah, pardon, excusez-moi. Je fais que des conneries. Voilà, voilà. Je vais vlogger avec vous et je fais des conneries. Regardez, alors ça aussi, Febreze, c'est de la Air Wick. C'est génial. Ça sent super bon. Franchement, c'est pas écœurant. Et ça sent super bon. Mais si vous passez par là, sentez cette bougie à la vanille. C'est une tuerie, elle coûte 2,12€ et elle est magique. Des bars dans le Carrefour, ils vendent des bateaux carrément pour les gamins. C'est pas mal. 19€, 29€, c'est pas excessif. Oh, c'est trop mignon. La race de Nemo. Bon, il a un peu. Là, je sais pas ce qu'il a, Nemo. Il a fumé 3 pilons avant de venir. Pour les enfants, c'est trop marrant. Ça aussi, c'est quoi ça? Ah, c'est un matelas, je crois que c'était un téléphone. Laisse tomber la meuf archi connectée. Des petites peluches I Love Normandie. Ça, c'est des verres.
Des petites tasses avec la cuillère, c'est sympa, sa maman, papy, Normandie, le petit cendrier. Ça, c'est une salière. Ça, c'est sympa aussi, le dessus de table Normandie. Un petit souvenir sympa, ça aussi. Ça aussi. Des petits bateaux, franchement, ils sont trop beaux, j'aime trop. Et ça, c'est un beau petit souvenir à ramener, même si c'est un tabac, c'est un truc d'attrape-couillon. Bah, c'est justement, c'est pas cher et c'est très joli, les maquettes de bateaux, comme ça, j'aime trop. On va en acheter un pour mon beau-père. Ils sont trop, trop beaux, je trouve. Lui, il aime bien les trucs maquettisme comme ça. Je sais pas si, ou pas si on dit ça comme ça. Mais... Tu as pas compris. Bref, c'est trop mignon. C'est pas trop rally, tu vois. Tout à l'heure, on a mangé dans un restaurant de fruits de mer. Mais attends, c'est quoi ce zoom? Bref, on a mangé dans un restaurant. Je vais vous emmener voir. Je vais vous montrer aussi parce que ça vaut le coup. C'est pas cher et c'est super bon. Des produits frais, c'est de la bombe atomique. Et la dame était très gentille. Et en plus de ça, ils ont accepté Carpaï. Donc tu vois, que demande le peuple. Parce que tous les restos, tous les endroits, ils refusent les clébards. Donc c'est super chiant. Les gens, ils doivent me regarder comme le Habil Achif, le port, j'adore. J'aime trop l'ambiance du port. C'est mignon comme tout. Si mon rouge à lèvres déborde, laissez-moi tranquille, j'ai 2 heures de sommeil et 3,5 grammes. Non, je rigole. On a juste bu un... Comment ça s'appelle ce merde? Ah merde, j'ai oublié. Un truc coffee avec du sky dedans, là, le truc avec de la crème fraîche. Non, avec de la chantilly. Voilà. Irish coffee. Et comme je l'ai bu à la paille comme une maville, je suis fatiguée, tu vois ce que je veux dire. Donc, on a mangé... Je vais vous montrer où on a mangé. Ah, c'était là. Eh, archi bon. Ils ont ramené une plâtrée de moules là, mon chéri. Ah, j'ai filmé, bah, je vous montre juste après là. Ok. Attends 2 minutes, ma chérie. Donc, tout à l'heure, on a mangé là. Ça s'appelle la Marine. Et franchement, c'est magnifique. C'est super bon. Donc, si vous passez par là, je vous recommande fortement ce restaurant parce que franchement, ça vaut le coup de ouf. Et c'était super bon. Donc, voilà. Moi j'ai pris une assiette de fruits de mer, c'était archi bon. Et voilà quoi, et mon chéri il a pris les moules, et je crois qu'il a pris les moules normandes, et c'était une tuerie de ouf. Donc voilà. On est dans un petit resto, et franchement, on va se régaler. Mon chéri il a pris des moules, et franchement ça donne envie. Avec des petites frites, c'est des moules à quoi ça? C'est quoi ton nom? Normandes. Ça a l'air bon. Franchement, propre. Avec Carpaï, elle a été acceptée ici, elle fait le dos, ma fille. Ici, riche. On les fight, ça c'est pour rentrer à 3 grammes chez nous. Comme ça, on a bien mangé. Santé, business, santé. Hop là, à notre voyage de noces. Avec Carpaï. Mais si, on est... Au milieu du simple dans notre carrière, c'est parfait. Voilà, get. Et on avait oublié la cafetière arcaïque des années 32. Mais attends, non mais sans déconner, tu me dis ça y est. Non mais Théma, ça coule au compte-goutte. Ouais, si on va le boire vers la 20. Tu fais un café à 16h, à 23h, tu vas pas manger, quoi. Mais je pense qu'elle a... Elle est bouchée, là, c'est pas possible. Il y a un souci, là. Et en plus, elle fait des arrêts, wesh. Il y a des stops ou quoi dans la cafetière? Mais attends, c'est pas normal, ça. Mon crevette, comment il fait? Oh, mon amour, Atiti, tu fais dodo, Atiti. T'as été très sage. T'as été très sage, mon bébé. Oh là là, c'est un beau club, ça. C'est une belle fifi, ça. C'est un amour de chien, ça. Qu'est-ce que t'as dans l'œil? Un amour. Un peu quoi, tu te protèges, ma fille. Un amour, mon amour. Très gentil bébête, ça. Bah, du coup, je me suis changée. J'ai mis ma petite combinaison rouge que j'aime beaucoup. On va essayer de faire des photos Instagrammables. Bon, 5 heures après. Non, mais attends, c'est une blague. Ça. Elle fait ça parce qu'elle a peur qu'on se barre. On l'oublie. Elle est trop mignonne, Carpaï, elle s'est mise dans le cul. Mais jamais on t'oublie, ma fille. Jamais, ma fufu, il vient toujours avec nous, ma titi.
T'es malade, ma fille. T'es rangée dans le queuse direct, comme ça, t'es sûre de. Elle est trop mignonne. Ah non, mais regardez-moi le copain de Titi. Ah, il est trop mignon. Ah, quelle beauté. C'est une fille. Oh, t'es mignon, toi. Oui, c'est un petit bonhomme. Oh non, il est trop beau. Oh, franchement, il est trop mignon. Oh lolo. Oh, il est trop, trop mignon. Oh lolo, tant d'amour. Oh là, il y a tant d'amour là. Oh, il est trop chou. Oh lolo. Ils sont tous pareils, les chihuahuas, c'est vrai. Mais il est têtu. Oh, cette tête. Une petite glace. Il est marrant, celui-là, c'est un petit vieux, celui-là. Un petit vieux. Petite glace ou nette, j'ai pris chocolat menthe et je sais plus ce que j'ai pris. Ah, je sais plus. Arrête. Ah ouais. Merde. Non, j'aime pas moi ça. Ah merde. Eh, regardez la mouette, elle va chourave. Je pense qu'elle a repéré la bouffe. Non, mais débarque, comment elle reste devant la porte. Je dis, je t'attends. Ouais. Bon, là, on est là aujourd'hui. On va tester les spécialités italiennes. Le bord de mer, enfin du porc. Non, c'est mignonnette. On est assis là avec Kitty. On va goûter ça. Capaille, passion pour les sacs. On est au resto l'hôtel. Panacotta. Ah ouais. On voulait pas prendre de dessert, mais on est tellement gourmand. Et moi, j'ai pris un tiramisu. Regardez-moi ces assiettes. C'est la classe. Non mais regardez la blague. On avait trouvé notre plage privée qui était tout au fond, où personne ne nous faisait chier avec Kitty. Et là, comme par hasard, dans le secteur où on allait, et ben ça c'est. La mer s'est reculée. Comme par hasard quoi. Pile poil où on voulait aller. Mais c'est une blague. Regardez. Hop. On va s'ouvrir un petit peu. Toute la partie là-bas, on était là-bas. Gaffe. Tu vois. J'ai vu, plutôt. Ah, c'est bon. On va l'excuser là-bas. C'est ouf la nature. Du coup, les gens ils pêchent où on avait pied ce matin. C'est ouf. Ilan. On débat. Ouais, c'est spécial. Bon, allez, c'est parti pour la galère. Ah oui, je suis con. Ah ouais. Ça commence bien. Maman, amuse-toi bien. Je vais appuyer là si tu veux pour sa tête. Là, pour tête. Il me dit putain, faut être en forme physiquement pour qu'on fait ta merde. Capaille, non, tu viens ici. Hein. T'as la vue des chaises, bah, elle veut y aller. Elle est ouf, elle. Nous, quand on l'emmène, elle s'en bat la race. Là, elle a vu trois lascars. Elle veut faire la bouche. Hein. Ils sont mignons, n'empêche, comment ils jouent dans l'eau. Là, je vais me ficher, mais malement. Et lui, il va se foutre de ma gueule, mon amoureux, c'est obligé. Je vais demander qu'il filme mon entrée en scène. Tu vas filmer mon entrée en scène, mon amour. Ah, ça va, tu vois, c'est deux spies finalement.
Non mais là, je suis obligé de gonfler la race à la bouche. Normalement. Là, t'as pas nous dit la queue, elle doit se gonfler aussi à la bouche. Normalement. C'était sûr. Ah, yeah. Je sais pas comment elle fait, est-ce qu'il doit faire froid? Allez, au bouillon. J'ai amené ça de chez Nivea, Protect and Bronze, brume protectrice activatrice de bronzage, 0% d'autobronzant, FPS 1,50, elle est vraiment géniale. Parce que déjà, j'aime bien quand ça commence à diffuser. En plus, elle est rafraîchissante, je la kiffe. Résistant à l'eau, franchement, c'est une tuerie. Et j'avais pris celle-là aussi qui sent super bon, mais elle est vachement grasse quoi. C'est l'huile sèche au monoeil de chez Lovea. Et pareil, water résistant, et elle est top aussi. Franchement, j'ai rigolé avec ça. C'est un truc de ouf, je la kiffe ma bouée. J'y ai retourné. Et quand en fait, comme t'as chaud avec la bouée, et ben, l'eau elle se réchauffe, tu vois. Donc c'est plus facile pour rentrer dedans après. Donc c'est cool. Et franchement, c'était trop drôle. J'ai pété la gueule 2-3 fois, mais c'était rigolo. Le chien, il est trop fort. Ah, il adore ça. Ouais, il nage mieux que moi. Et il est chaud. Ils ont pas peur, il y a une vague de ouf. Mais là, on dirait qu'il y a moins de vagues que tout à l'heure. Ouais, bah, reste là, mon bébé. Ah ouais, moi j'aurais peur. Appelle-le, hein, parce que l'orientation d'un chien sur l'eau, c'est plus pareil. Mais il adore ça. Il est plus marrant. C'est ouf. Hein, incroyable. Je pense que c'est un chien de sauvetage, ça, non? Incroyable. Dans la vague. Ah, moi, il est malin. Ouais. Dès qu'on va essayer de la vague. Des barres. Ouais. Oh, il est trop malin. Hein. Il va y retourner. Hein. Ah non. Ah si. Ah, il est trop mignon. Des barres. Il est trop mignon, des barres. Il fait demi-tour, il est malin. C'est de son père. Trop fort. T'as vu la bouée qu'il a en dessous le menton? Ouais, c'est pas mal. Son menton, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal. Ça arrache, là. Ah, débarque. S'il rappelle pas, ça arrache. Hein. Vitesse, ah ouais. Il y a la vitesse de nage. Ah, c'est une machine de compétition. Que... Ouais. C'est leur main de la machine. C'est. Sans que les vagues, hein. Ouais. Bon, ce soir, c'est crise de nerfs assurée parce que depuis tout à l'heure, les motards ils sont en train de nous péter les oreilles parce que ce soir, il y a 3000 motos, s'il te plaît, 3000, ça va être 3000, imagine le bruit, les décibels, bref, ils vont descendre de la montagne de là-bas, là, 3000 motards, et c'est un truc de ouf, donc voilà, donc ils ont barré tout le village, ils ont soulevé toutes les bagnoles, de là par la nôtre.
Il y a une dame, elle nous a dit qu'il y avait un... Dans la boutique des souvenirs, là, elle nous a dit, hier, il y a un monsieur, il arrive avec son petit de 3 ans. Et en fait, il lui dit, merde, j'ai perdu mon porte-monnaie. Il venait de perdre son porte-monnaie. Après, il dit, il doit être dans la voiture, je vais chercher. Il arrive, il voit plus sa voiture. Non, mais imagine les vacances de merde avec son petit, non, mais les boules, quoi. Eh, c'est pas trop beau, là, le port, là. Franchement, c'est stylé, j'aime trop. Bref, les motards, ils vont nous péter le clé. Mais ils ont mis une grande roue là-bas. Elle est très, très mal placée, quand même. Ah, je crois que je vous l'ai déjà montré. Mais la vue du port, j'adore. C'est très mignon. Il y a les caves partout, des motos partout, des... Oh, les slum bikes. Un concept. Le club de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ah, laisse tomber le bordel. Il y a des gens tout le long là. C'est un concept. Il est 23h et il commence à descendre tout ce bordel là. Regarde-moi ce bordel. Impressionnant quand même. Oh, avec la mouette, c'était fort sympathique. Pardon, mais ça, je tourne l'écran, je vous fais mal à la tête. Regarde les décibels, l'autre il est en face. J'ai mal à la tête d'ici. Par contre, les éoliennes, ça gâche un peu le paysage, je trouve. Mais ils zooment de ouf, c'est un truc de malade. Mais attends, c'est un truc de fou, je savais pas qu'ils zoomaient comme ça. Où est le canon? Putain, c'est ouf. Limite, je peux aller voir chez les gens, fais voir. Mais c'est un truc de fou. Chouraine. Tu peux surveiller tout le secteur avec ça. Amour, un amour. Nappeur des motos, ma fifi, casse la tête, hein. Et casse la tête avec leur moto. Hein. Carter, ils n'aiment pas ça. Hein. T'as une dreadlock, ma carte dans ton oreille. Je vais te la pécou demain, je te fais une pécou. Tu peux éviter de nous manquer de respect à te lécher la moule. Oh là là. C'est une beauté, ça c'est une beauté, ça c'est une beauté, ça c'est une beauté. Bye. Carter. Mon bébé, ça c'est une belle femelle. C'est une belle fifi, ça. C'est un amour des chiens, ça. Mon bébé. Demain, on rentre à la maison. Demain, on rentre maison. Oui, ma fille. Maman, elle te bouche les oreilles pour les pétards. C'est vraiment insupportable, les pétards, ma Titi. Hein. Maman, elle bouche les oreilles. T'inquiète pas, ma Titi, n'ai rien. N'ai rien, ma fille. Maman, elle bouche une oreille pour pétards. Elle est en panique, notre carte, c'est un truc de ouf. Ça commence à 23h, ça s'est calmé, il n'y a pas eu trop de bruit pendant une heure. Là, j'ai envie de te dire, ça va repartir du plus belle. Allez, c'est la descente. Mais là, il y a 3000 motos qui descendent la montagne. Un truc de ouf. 3000 motos, s'il vous plaît. Sans du bord.
Tatane a conduit son amoureux et à la fin descendu du bord, on s'est pris la gueule. Mich Mich, il a peur de crever. Non, j'avoue, à la fin j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Je tenais plus bien ma trajectoire et tout. Et croyez-moi que Mich Mich, quand il me fait des compliments pour la conduite, faut le retenir. Ah, ma Carpaille, même toi t'as pas stressé comparé à avant. Ça se voit, tu me faisais confiance, Carpaille. Auto Bercail, ah, je suis fier de moi. On était à 177 km, il en reste 60. Donc j'ai fait 127 km. De ouf, je trouve un artiste. Sortez à droite. Elle reconnaît sa baraque, Maditi. Elle reconnaît le secteur. Elle rentre à la maison, ma Bibi. Oui, ça. Carpaille. Hop, un petit coup de. Je vais dans Zef. Oh, mais je connais ce quartier là. Et voilà, retour au Bercail. Elle a été sage, Kitty, ça se voit qu'elle a 4 ans. Elle, c'est une vieuve maintenant. Ma Carpaille, ça se voit que t'es mature dans ta tête. T'as vieilli, ma Carpaille. Et voilà, bah, c'était fort sympathique.